Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour la troisième et dernière partie de la découverte de Martha is Dead. Vous avez vu que c'est assez glauque. Dans le deuxième épisode, on avait découvert les cartes de tarot. Elles sont ici. On va regarder. On va faire mélanger. Divination. Ok. Et là, je choisis quelle carte? Prendre celle-là. L'amoureux. Bien. Celle-ci. Magicien. Et allez, celle-là. Le monde. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Alors, okay. Au niveau de nos objectifs, alors. Toc, 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 toc. Il faut qu'on se rende au lac. Eh bien, on y va. Il y a eu un petit freeze au niveau du jeu. Est-ce que la porte est toujours fermée ou est-ce qu'on va pouvoir... Non, ça va. Les parents ne sont pas là, mais... On va aller au lac. C'est quand même une des choses les plus importantes. De toute façon, ce que vous voyez quand même... Le max du jeu. Mais est-ce que ça va fonctionner de nuit? Est-ce qu'on va la croiser, la dame blanche, la nuit? Le jour, je veux dire. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Ok. Je ne sais pas si on va voir cette dame blanche en pleine journée. Au niveau de la carte, hop. Ça ne me dit rien, hein. Écoute, on va aller voir au lac. Je pense que c'est plus de nuit hein, qu'il va falloir qu'on y aille. On peut entendre le bruit des mouches ou des moustiques, je ne sais pas trop. Ah oui, on devait prendre ceci en photo. Alors, on prend notre appareil. Peut-être que ça va débloquer quelque chose. Alors, sujet cadré, flou. Bonne exposition, clinaison, bonne exposition. On va le bouger peut-être. Là, on a une bonne exposition. Voilà. Et on va prendre la photo. German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Alors après, il y a beaucoup d'exploration aussi dans le jeu. Hein. C'est pas simplement. Il faut faire attention à tout ce qu'on peut prendre en photo.
Je sais pas si je franchement, je ne peux. Oh. Oui, c'est vrai qu'il y avait un couvre-feu. C'est dangereux. Oh. Hello? Je ne sais pas du tout où ils sont, hein. Tu as des idées, Julia, assez particulières de vouloir suivre des soldats allemands qui tirent sur d'autres. Je ne peux pas passer par là. Je peux pas, mais c'est fou. Je peux pas passer là. En plus, faut chercher les bons chemins. Mais pourtant, ils sont passés par là, les messieurs. Alors. Je veux bien les suivre, tes bonhommes, mais je ne sais pas par où faut passer. Il y a des petites latences hein, dans le jeu là. Un avion de l'armée. Faut chercher le passage hein, pour les trouver. Peut-être par là. Oh, oh, j'ai eu peur, la manette a vibré et tout, j'ai fait un bond. Là, du coup, j'ai perdu les soldats allemands, moi. La dame du lac. Alors, que dit notre journal? Parce que là, ça se complique, hein. Les coups de feu dans les bois. Les soldats allemands pour chasser des militants dans les bois. Ils sont partis depuis un moment, mais j'ai entendu plusieurs coups de feu et des cris dans les bois. Ah oui, d'accord. Là, maintenant, on a l'endroit. Donc, je vais remonter.
Au niveau de la carte, tout droit. Il faut que je prenne le petit chemin en fait. Je peux pas décaler. Si. Il faudrait que je prenne le petit chemin qui va là alors. Ici, là, je suis là. Tout droit et prendre à droite. Je vais pas courir hein, parce que j'ai raté le coche. C'est là où j'étais tout à l'heure. Hein. J'ai absolument pas trouvé l'endroit tout à l'heure. Carte. J'ai raté. Vous voyez, hop. Bon, en arrière. Ici, peut-être. Ça doit être ça. Voyons la carte. Ouais, c'est le bon chemin. L'ombre est très bien faite, hein, en tout cas. Hein. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Oh. Erschossen, du Idiot! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Scheiße. Scheiße, 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 comme il a dit. Merde, merde, merde. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Alors, c'est pas maman, c'est Martha. Martha. Viens. Non, c'était pas Martha, viens. Martha. Je te rends ce que j'ai. C'est pas ça. Martha. Je te rends.
temps. L'apparence. C'est dégueulasse. Honnêtement, c'est dégueulasse. Avec mes rêves? Non. Maintenant, je vois avec mes yeux. C'est glauque, c'est fou, c'est glauque. Et on est vraiment pris dans l'histoire. Hein. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. L'animation de la faucheuse. Parting, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guess it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides, Martha's.
So, my first assumption was correct. They were too damned smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Objectif mis à jour, mes affaires. Nouveau chapitre, l'enterrement 4 jours après la mort de Martha. Alors, qu'est-ce qu'on a un objectif? Alors, le journal. Faut lire le journal. Les cartes de tarot, on l'a fait. La dame en blanc. L'esprit de la dame en blanc vit dans le lac. La nourrice m'a raconté blablabla. Une note étrange et mes affaires. S'habiller pour l'enterrement. Alors, ils ont dû mettre mes affaires quelque part. Je dois trouver la lettre de la peau et me préparer pour l'enterrement. Alors, la lettre de la peau. Le problème, c'est que quand ils nous ont tiré dessus, on l'avait la lettre ou pas du tout. Bon, je pense que là, la tenue, elle va accepter qu'on la mette, non? I want to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Mon dernier adieu. Alors, trouver la lettre de la peau, mais je ne sais pas si... quand on nous a tiré dessus... Alors, trouver le sac, trouver la lettre de la peau. Mon sac, il est où, mon sac? M'en fous-tu, où le sac? Rendez-moi le sac, bande de voleurs. Alors, le sac n'est pas là et j'ai pas d'infos pour savoir où ils ont foutu mon sac. S'habiller, c'est fait. Trouver la lettre de la peau. Est-ce que j'ai un indice? Non, sur la carte il n'y a rien. Ok. No, 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 my bag is not here. My diary. Lapo's letter. C'est bien ce que je dis, mon fils. How is my daughter? Please, ils ont piqué mon sac. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died, but thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise... Otherwise she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Ah, j'ai la manette qui vibre. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. Is there a way of coping? So she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. J'essaie de voir si je trouve pas le sac pendant qu'il parle. Je peux pas sortir tant qu'ils sont là. Là, je peux maintenant. Alors, objectif. Ouais, trouver le sac, ça ne dit rien de plus. Hein. Un dernier adieu. On va d'abord essayer de trouver notre sac. Ici peut-être. There's my bag. Thank God. Alléluia.
Let's hope Lapo's letter isn't there. Alors, on a la lettre, yes. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, no, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Okay. Cartes de tarot, on les a fait pourtant mélanger. Bon, ça pue pas, on peut pas avoir de truc amoureux puisqu'il est mort. Donc on va prendre celle-là. L'impératrice. Ainsi. La grande prêtresse. L'impératrice à tête en bas. Et la lune. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me. But someone will know how to give me the right advice. Alors, au niveau des objectifs, donc ça on l'a fait. Un dernier adieu, donc on va aller le faire à sa sœur. Et après, au niveau de l'autre quête, c'était dans le message de la peau, ne t'inquiète pas. Condition, souviens-toi de ce numéro. Utilisez le numéro 6934. Est-ce un numéro de téléphone ou un code? On va essayer sur le téléphone en sortant. 6934, peut-être, on va essayer. Non, le téléphone est verrouillé, je ne peux pas l'utiliser. D'accord, ils font tout pour m'enquiquiner dans ce jeu. On va donc aller dire adieu. On nous prend toujours pour Martha. On lira le journal à... Ah, maintenant. Alors. Attempted murder in Lara Mola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. Du coup, ça a enlevé la traduction. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Alors, on va dire new ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Okay, on a plus droit d'utiliser le vélo. Heureusement, on en a un. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. Okay, ça on l'a lu. Et ça? The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Okay. Alors, on va aller voir... I should pick up the phone but remain silent.
If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Essayer d'écouter au téléphone, on n'a jamais arrivé. Ça s'enchaîne à une vitesse, c'est fou. Hein. Par contre, c'était vérolé tout à l'heure. Maintenant, je peux. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool, quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead... Poor Nanny. D'accord, donc pour contacter la Dame Blanche, on a tout dans le... Hi, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. On a tout dans notre journal, hein. Objectif mise à jour, Donc, on va aller voir notre sœur. Vous pouvez désormais utiliser les téléphones pour passer des appels. Alors, on avait dit 36 et quelques. Je vais regarder la note. 69-34. Super. Mémoire à la Chirelle. 69-34. Est-ce que c'est un numéro? Ça m'étonnerait que ce soit un numéro de téléphone, mais... 3... 4... You called this number. Damn, I've almost been dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am Duke. Someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? On va aider les partisans. Ça, c'est votre choix. Le choix que vous ferez. Hein. Taylor scissors should be fine. Donc nous... Pour terminer cette découverte, on va aller, on allume le journal, on va aller voir le corps de notre sœur, histoire que de voir les funérailles, hein. C'est un peu morbide, mais bon. Ah, il n'y a plus le cercueil. Hmm.
Martha was taken to the chapel for her funeral. À la chapelle. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. On va donc aller à la chapelle vite fait, c'est pas là. Hop. Si je regarde sur la carte, oui, la petite chapelle là-bas. Donc on est parti. On veut lui dire adieu avant que les autres arrivent. Hop. Non, apparemment, je vais pas être seule, hein. Bah oui, le corbeau, tu l'as tué, maintenant t'essaies de le bouger. Il est mort, hein. Sale bête. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. On va le mettre avec dans le cercueil. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It will be safe next to her. Bah oui. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Alors, au niveau des objectifs, on va, je ne sais pas si on va voir les funérailles, le câble de communication, le téléphone. Vous pouvez désormais utiliser le numéro de téléphone des médecins, de Donatilio, on ne sait pas qui c'est, de Carabini. Est-ce qu'on a fait la Dame du Lac, hein, lire le journal intime? Tac, 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 tac. Et les funérailles, alors ça a été fait? L'appel téléphonique, un dernier adieu. Dame du Lac, une note étrange, le câble de communication, numéro. Alors, on va regarder dans notre journal. Hein. Hop. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Alors, qu'est-ce qu'on a pas lu? July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body in the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf,
I took the photo from Arthur's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Arthur. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up two new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Il nous reste 5 pages qu'on n'a pas lues. Mais ça, c'est plus le début, ouais, sans la nu, sans la nu, sans la July nu. 18th. Non, je l'ai lu. July 19th. Sans la nu. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. One. I must reinvoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. Two, a part of me needs to enter her world. A lock of hair would work. So I'll need scissors to cut some off. Three, I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. Four, to communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Okay. Eh ben, ça promet tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. There's only a few signatures for my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Commune of San Casciano. Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Via Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich K. and Irene K., Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola, telephone number 6537. The official state civil service, General Galeazzo T. Objectif mis à jour. Pas sortir. Alors qu'est-ce que il reste à faire? Vous pouvez désarmer le téléphone, le numéro, le câble de communication, une note étrange, la dame en blanc,
Donc il nous faudra des ciseaux pour nous couper les cheveux, un objet personnel, l'amoureux. Il faut qu'il y ait de la brume, donc il va falloir jouer avec les objectifs, mettre ceux en infrarouge pour trouver sa tombe, puis passer à ceux qui permettent de voir là dans la brume. Et ben dites donc, il y a de quoi faire. Les cartes de tarot, le téléphone. Vous pouvez désormais, ben je... Voilà, en gros... Et les trois petites parties de ce jeu. Franchement, il est prenant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Je le ferai sûrement entièrement en live. Sûrement. Je vais essayer les numéros de téléphone et puis on en restera là. Parce que je voudrais quand même voir au niveau si ça déclenche les funérailles ou pas du tout. On va monter à l'étage. On va essayer les numéros. Parce que j'ai pas d'endroit à part de me lancer dans la quête de trouver la dame blanche, mais c'est pas vraiment le moment, puisque là c'était les funérailles. Donc, c'est les numéros là. Je sais pas où sont les parents. L'enterrement a pas encore eu lieu. Alors, on va appeler le premier. 6. 9. Le carabinieri. 1. Si j'arrive à me foutre sur le 8, voilà. I may have made a mistake, but I can try again. Ok. Donc 6593, est-ce qu'on peut celui-là? Pas maintenant. Alors, si on fait le... la mairie. 6922. Pourquoi il y a l'Asie, là? What am I going to ask at the town hall? Ouais, c'est pas logique ce que je suis en train de faire. Il y avait une note dans le... Ça c'est quoi? C'est la lettre. Il y avait une note dans l'enterrement là. C'est pas là. Je vais vite retourner... Il y avait un numéro de téléphone sur la note au niveau de la chapelle. Est-ce que c'est ce numéro-là qu'il faut faire? Je ne sais pas du tout. Après, peut-être que l'enterrement se passe quand je fais les autres avec les autres objectifs qu'on doit faire. Mais il y avait un numéro, il me semble, sur la note ici. Ah, mais je l'ai déjà lu. Oh, pas cool, hein. Alors, journal, série, alors attendez, commune de sang, province de province, acte du décès, le nana de l'année 1944, tac, 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 Don Attilio donnera les funérailles, il estimait Alberto, 6537, 6537, Hop, on va essayer. Tu cours là? Oui, elle court. 6537. Allez. Elle ira à pied, je pense qu'elle ira aussi vite. Hein. 6537. L'histoire est très prenante, hein. On a envie de savoir. Alors. Six mille.
sir. Who is it? Hello, it's Julia Kay, Edith Kay's daughter. Yeah? Yeah, and what do you want from me? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do not come looking for me anymore. Stop bothering me, you bitch. Okay. He must be going crazy. I don't believe for one second that Mummy would let him treat her this way. Sheer madness. Alors, chose à faire, vous pouvez désormais... Bon, c'est tous les numéros, hein. 6537. Je vais essayer. Refaire. Hop, 6537. En me faisant passer pour la mère ce coup-ci. I've already called this number. What use would there be calling again? Alors, qui c'est qu'il faut qu'on appelle? C'est dans les notes. Donc, plutôt dans les objectifs. Alors, le docteur Donatilio et le carabine. Oui, mais... Alors. Le docteur. Alors, Donatilio, on peut pas rappeler, hein. J'aurais dû me faire passer pour ma mère, ça m'aurait évité de me faire traiter de pute. 6930. Merde, je me suis trompée de numéro. I may have made a mistake, but I can try again. Yes. 6000. J'ai dit 930. I have nothing to say to Don Attilio at the moment. Before speaking with him, I have to get a few things straight. Et l'autre numéro qu'il fallait qu'on appelle, hein, c'était... Voilà, ça reste bloqué en fait. J'ai déjà eu le cimetière, donc... je sais pas du tout où sont les parents. Oui, j'ai utilisé le numéro, les téléphones, mais... Bah écoutez, en tout cas, on ne peut pas prendre le vélo, c'est interdit. Puis sinon, on se fait tirer dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres numéros là? Non, on retrouve les mêmes que là-haut. Et c'est pas le moment de les appeler. Donc j'aurais aimé que vous voyez... Bon, c'est pas terrible, ça, mais... J'aurais aimé que vous voyez la séance, l'enterrement, quoi, en fait. Mais je pense qu'il va falloir faire les objectifs qu'on a à faire avant de pouvoir assister à la scène de l'enterrement, hein, je pense. Voilà. Ben écoutez, on va en rester là sur cette découverte. Moi, je le referai, je le ferai en live, en complet, parce qu'il m'intéresse énormément. Je le trouve prenant. J'aime beaucoup les graphismes. Je les baisserai peut-être un petit peu. Je ne sais pas si ça vient de moi. Pourtant, je n'ai pas de perte à mon niveau, ni au niveau du record. Il n'y a aucun problème. Donc, je verrai ça pour le faire entièrement en live. Donc, pour ça, ben, rejoignez-moi sur la chaîne Twitch si ça vous intéresse.
Écoutez, moi, franchement, c'est un jeu qui me prend. J'ai envie de savoir. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de fouiller, fouiner, machin, chercher. Mais bon, et là-haut, voilà, vous voyez, j'arrive même pas à stopper la vidéo. C'est embêtant. À moins qu'il faille aller là-haut. Mais vous voyez, elle court à 2 km/h. Je vais monter jusque là-haut. On verra bien ce que ça fait. Et on se quittera là. Vous n'hésitez pas, hein, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, après, il faut aimer les jeux un petit peu horreur. Bien que là, c'est pas vraiment de l'horreur. C'est plus basé sur les problèmes psychologiques et le body shot. Donc, c'est pas vraiment de la peur à l'état pur, bien que par moments on sursaute. Hein, faut être honnête. Il y a des choses qui se sont passées, donc je ne peux pas sortir. Mais vous voyez, il y a énormément de choses à visiter. Donc écoutez, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube ou la rediff d'un live Twitch ou carrément sur ma chaîne Twitch. En attendant, j'attends vos retours en commentaire. Je vous fais plein de bibis, plein de zous. Bye bye.